Bonjour YouTube, c'est Maxime de l'entreprise VDK Débouchage. Donc voici de nouveau donc cette pompe à débouchés professionnelle. On va l'utiliser pour déboucher cette douche. Donc j'ai ici une douche qui est complètement bouchée. Si on fait couler l'eau dedans, l'eau remonte immédiatement. Donc avec la ventouse de débouchage, on va facilement déboucher ce type de problème. Que beaucoup de gens connaissent, hein, simplement l'eau qui s'évacue pas bien à cause d'une accumulation de crasse et de cheveux qui passent dans le siphon. Donc, voilà. Je vais utiliser cette tête-ci, qui est la petite tête, parce que c'est une petite évacuation aussi. Maintenant, je voulais l'utiliser pour un évier de cuisine, par exemple. La crépine est plus grosse. Donc la sortie d'évacuation est plus grosse, on utilisera cette tête-là. Celle-là, c'est une tête pour les WC. Voilà, plus longue, hein, comme ça elle épouse mieux la cuvette. Hein. Donc voilà, comme vous voyez, l'eau ne part pas du tout. Hein. C'est pas une baignoire, pourtant c'est bien une piscine. Donc voilà, j'ai repositionné la caméra correctement. Je vais vous montrer que ça fonctionne. Très bien, donc vous voyez que c'est bien bouché. Donc on va faire couler de l'eau chaude en même temps. Ça va permettre d'évacuer les crasses plus facilement, parce qu'avec l'eau chaude, ça va diluer les crasses dans le tuyau. Je place ma ventouse. Et alors avec ma pompe, je vais pas pousser, je vais tirer. Je vais faire une dépression. Je ne veux pas créer une pression dans le tuyau. Je vais faire une dépression en tirant. Vous voyez, on voit bien la crasse qui remonte. Hein. Et alors, on va continuer à tirer un petit peu et on va en même temps, on va pousser. Voilà, une fois. On va recommencer l'action jusqu'au moment où ça débouche correctement. Chaque fois, je crée une dépression, puis une pression. Dépression, et puis une pression. On va tirer quand même les objets du tir. Hop. On voit toute la crasse qui remonte. Hein. Encore. On dirait qu'il y a tout le bouchon qui vient. On atteint du résultat. Il faut continuer jusqu'à obtenir un résultat. Ici, là, tout de suite, j'en avais, mais ça s'est bouché. Et là, c'est de nouveau débouché. On continue. Bon, ça s'évacue, mais c'est pas encore correct. Hein. On va continuer ça.
Si vous avez atteint un résultat, mais que malheureusement ce n'est pas encore bien débouché, on va utiliser du coup un produit professionnel. Attention, c'est un produit professionnel et il est bien plus puissant qu'un desktop classique. Vous voyez comme il s'appelle Orbisol. On le trouve chez FAC. C'est un produit qui coûte 30 euros les 2 litres. On voit, oups, c'est marqué 2 litres. Et voilà, on voit là ici en dessous. Donc vous voyez, il faut surtout pas s'en verser sur les mains. C'est très acide. D'ailleurs, on va pas le laisser longtemps dans la canalisation. On va faire couler de l'eau directement en même temps afin d'éviter que ça fasse fondre les tuyaux. Voilà, on va déboucher avec ça pour obtenir vraiment le résultat 100% parfait pour l'évacuation de notre douche. Voilà, nous revoilà en place. Donc, on va mettre un produit déboucheur professionnel. On va faire ça très délicatement. On va faire couler un petit peu de produit. Une fois qu'on aura fait couler un petit peu de produit, on va directement faire couler un petit peu d'eau à faible pression, juste un petit peu pour que ça parte et que ça aille directement jusqu'au bouchon. Et ça va dissoudre le bouchon, ça va faire partir la crasse. Vous allez voir que ça fait du bruit. C'est un produit professionnel, comme je vous ai dit. On va directement mettre de l'eau. On va éviter que ça fasse fondre la canalisation. Ça n'aura pas le temps de fondre. Comme l'eau partait, ça va faire partir l'acide avec directement. Et l'acide aura agi sur les crasses. Vous allez voir que l'eau ici, elle ne va plus remonter. Voilà, comme vous constatez, là maintenant l'eau ça suit, l'évacuation suit le débit, le débit du robinet, donc le bac de douche ne se remplit plus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remettre, en même temps que l'eau coule, je vais remettre encore un petit peu de produit. Je vais mettre un petit peu moins fort l'eau. Là, ici, j'ai mis un peu plus fort pour vous montrer que ça suit, mais ici ce que je vais faire, c'est vraiment juste pour l'entretien, je vais faire couler de l'acide en même temps. Alors, faites bien attention aux éclaboussures. Si vous avez une éclaboussure sur la main, ça fait très mal, ça peut vous laisser une cloque, hein. Voilà, on va remettre le débit à fond. Voilà, notre douche est correctement débouchée. Alors, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like et je vous invite à suivre toutes nos autres vidéos, nos trucs et astuces professionnels pour pouvoir déboucher vos canalisations. On vous explique aussi des astuces de grand-mère qui ne coûtent absolument rien, avec du bicarbonate de soude, du gros sel et du vinaigre blanc. Ici, le produit que j'ai utilisé, c'est un produit qui coûte 30 euros. La pompe à débouchage que j'ai utilisée, c'est une pompe à débouchage qui coûte, elle, 150 euros. Les deux produits sont vendus chez nos fournisseurs professionnels. Et donc, ça coûte toujours moins cher que de faire venir un déboucheur chez vous. Hein. Débouchez vous-même si vous achetez la pompe. Si vous avez un autre bouchon, ça vous permettra de déboucher encore et encore à chaque fois que vous avez un problème de canalisation bouchée. Voilà. Merci, à bientôt.